Dans la Kabbale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est attribué à 5 jours en particulier. Et nombreux sont ceux qui pensent que ce sont eux, nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance. Et donc ce serait à eux que nous devons adresser nos prières quand on a une demande. J'ai déjà fait le 9e cœur, les séraphins. Nous passons au grade suivant, les chérubins, assignés du 1er mai au 10 juin. Dirigé par l'archange Raziel. C'est un archange d'après l'arbre séphirotique. Ils sont au nombre de 8, comme chaque cœur. Mais vous vous en doutez, il existe des millions d'anges, donc il n'y a pas que 8 chérubins. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un chérubin? Et si vous avez déjà vu ma vidéo sur la hiérarchie céleste, ben ça change pas grand-chose. Il n'y a pas de mise à jour, forcément. Le mot chérubin est d'origine assyrienne, kéroub ou caribou, et qui voulait probablement dire celui qui prie ou celui qui communique. Il a été retranscrit en hébreu sous la forme de kéroub, puis en latin ecclésiastique, kéroub écrit chéroub. Mais leur nom a aussi une autre signification, la science et la sagesse. C'est un ordre qui a une parfaite vision de Dieu. Ils reçoivent directement la lumière divine et contemplent la beauté des œuvres de Dieu. Ils diffusent en abondance la connaissance aux hommes. Ils sont présents dans plusieurs passages de la Bible et on peut retrouver quelques détails sur leurs apparences. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 24, ils sont les gardiens de l'Éden, les gardiens de l'arbre de vie, et ils portent une épée qui tournoie dans tous les sens. Dans l'Exode, chapitre 25, versets 18 à 22, pour garder l'Arche d'Alliance, l'Éternel demande à Moïse de construire deux chérubins d'or battu avec les ailes déployées, et c'est entre eux qu'il donne ses ordres à Moïse pour guider le peuple d'Israël. On retrouve la même chose dans le livre des Nombres, chapitre 7, verset 89. Dans le premier livre des Rois, chapitre 6, versets 23 à 28, on ordonne la construction de deux immenses chérubins aux ailes déployées dans le temple de Salomon. Des statues mesurant 10 coudées de hauteur, faites de bois d'olivier sauvage, et avec des ailes qui font chacune 5 coudées de longueur. L'une des extrémités touche le mur, son autre aile touche l'une des ailes du chérubin, qui a son autre aile qui touche l'autre extrémité du mur. Pour vous donner une idée plus précise et en utilisant les mètres, imaginez que les statues font 4,50 m de haut, qu'une aile fait 2,20 m, donc sachant que les deux statues se touchent, on a une envergure d'aile cumulée et du coup de la largeur de la pièce d'environ 9 mètres. Ça doit être vachement impressionnant quand même. Ils reviennent également dans le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 10, honnêtement, j'ai rien compris. Ça parle de chérubins, de roues qui vont dans toutes les directions, des yeux partout, sur le corps, sur les ailes, sur les roues, qu'ils ont quatre faces, celle d'un homme, celle d'un chérubin, celle d'un lion et celle d'un aigle. Il y a une histoire que les yeux c'est un symbole de savoir, les roues symbole de mobilité, bref, un bordel. Au niveau de leurs apparences, ils ont trois paires d'ailes. Et il est dit qu'ils ont une tête, mais pas de corps, et qu'ils sont tout bleus. Mais bon, j'ai pas vraiment de source pour ça. Généralement, quand on pense aux chérubins, on pense aux bébés grassouillets. Cette image nous vient des Romains, mais à l'origine, en Mésopotamie, ils avaient plutôt cette apparence. Beaucoup moins mignon, mais bien plus stylé. Maintenant que ce rappel est fait, passons au premier ange, assigné du 1er au 5 mai, Haziel. Son nom signifie « Dieu de miséricorde » ou « Dieu miséricordieux ». C'est un ange de la réconciliation et de la bonne foi, un ange du pardon. Pour lui, la vie n'a pas de sens et ne vaut pas la peine d'être vécue sans la présence des autres. Il aide à mettre un terme aux querelles pour que nous puissions vivre en harmonie avec nos pères. Ça marche pour les amis, mais aussi pour les amours, pour nous permettre de pardonner les erreurs de nos partenaires. Il aurait aussi pour fonction de veiller sur le trône de Dieu. Aladia, ange de la justice et de la grâce, assigné du 6 au 10 mai. Son nom signifie « Dieu propice ». C'est un ange féminin protecteur, qui répand le pardon, qui aide à comprendre son passé, et à pardonner afin d'en être enfin libéré. Elle aide à lutter contre la dépression, la nervosité, le manque de confiance en soi, et favorise la guérison du corps. Elle serait l'un des deux chérubins qui ornent le couvercle de l'Arche d'Alliance. Lovia, ange du sommeil réparateur, assigné du 11 au 15 mai. Son nom signifie « Dieu admirable » ou « Dieu loué et exalté ». C'est un ange des rêves et de la spiritualité.
Elle nous aide à faire une bonne nuit de sommeil réparatrice et favorise les rêves prémonitoires, mais aussi donne une bonne intuition lorsque nous sommes éveillés. Elle nous apporte calme, sérénité, nous délivre de notre colère, de notre tristesse, de nos angoisses. Ahaya, ange de la protection et du refuge, assigné du 16 au 20 mai. Son nom signifie Dieu refuge, donc un abri, une protection. Oui, encore un ange protecteur. En même temps, c'est plus ou moins le taf d'à peu près tout le monde. Mais ici, c'est plutôt un ange contre l'adversité, contre la manipulation, contre les mensonges. Elle apporte la sagesse, nous aide à rester humbles, et nous aide à améliorer notre comportement pour que nous soyons une personne meilleure, une personne plus pure. Yézalel, ange de l'union et de la réconciliation, assigné du 21 au 25 mai. Son nom signifie « Dieu glorifié sur toute chose ». C'est un ange lié à la fidélité, entre amis, mais surtout dans notre couple. Il favorise l'harmonie, la communication, et permet de lutter contre la jalousie et l'infidélité. Bref, un ange qui nous aide à avoir une relation longue et prospère. Il nous aide aussi à nous sortir d'une situation compliquée, complexe, pour enfin triompher de nos obstacles. Mais Baël, ange de vérité et de liberté, assigné du 26 au 31 mai. Son nom signifie Dieu conservateur. C'est un ange de justice qui fait éclater la vérité au grand jour, qui lutte contre les injustices et délivre les opprimés et les prisonniers condamnés injustement. Les personnes sous son influence sont plus enclins à faire de l'humanitaire. Il cherche l'égalité et la fraternité parmi les autres humains. Ariel, ange de pureté et de libération, assigné du 1er au 5 juin. Et non, ce n'est pas une petite sirène rousse. Son nom signifie Dieu sauveur ou Dieu créateur. C'est l'ange des artistes, des créateurs. Il les aide à libérer leur créativité. Il favorise aussi l'apprentissage à toutes les personnes qui aiment étudier et apprendre. Il permet aussi d'améliorer la spiritualité de chacun ainsi que leur pureté. Ekamia, ange de pureté et de l'amitié, assigné du 6 au 10 juin. Son nom signifie Dieu qui érige l'univers. Un autre ange de la fidélité, mais lui est plus porté sur la fidélité dans la société. La fidélité, la loyauté avec ses pairs. Cet ange aide les personnes qui veulent diriger, qui veulent mener des gens, qui veulent prendre les choses en main pour apporter du changement. Et Camilla développe leur honnêteté et leur droiture, permet d'avoir de bonnes relations et à tenir leurs engagements. C'est l'ange des meneurs. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, mais en utilisant plein de sources, j'ai un peu trouvé tout et n'importe quoi. Donc je vous partage les informations qui sont le plus revenues. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !